Tafsir Surat al-Nasr, exégèse de la sourate Le Secours qui est médinoise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et que tu verras les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Il y a dans cette noble sourate une bonne nouvelle et un ordre adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à exécuter lors de sa survenance, de même qu'une allusion et une remarque de ce que cela implique. Ainsi, la bonne nouvelle est l'annonce du secours d'Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conquête de la Mecque et l'entrée en masse des gens dans la religion d'Allah, de sorte que la plupart d'entre eux seront parmi ses partisans et ses proches après avoir été ses ennemis et ses adversaires. Cette bonne nouvelle s'est concrétisée en effet. Pour ce qui est de l'ordre adressé par Allah après le secours et la conquête, il s'agit de celui adressé par le Seigneur à son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il lui rende grâce pour cela et qu'il fasse ses louanges et lui demande pardon. En ce qui concerne les allusions, elles sont au nombre de deux. Une allusion quant au fait que le secours au profit de cette religion se poursuivra et augmentera en fonction des louanges et de la demande de pardon qui seront faits par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie de la reconnaissance et de la gratitude. Or, Allah dit « Wala in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Cette bonne nouvelle s'est confirmée à l'époque des califes bien guidés et après eux, au sein de cette communauté. Car le secours d'Allah n'a jamais cessé, loin s'en faut, jusqu'à ce que l'islam eût atteint ce qu'aucune religion n'avait atteint et qu'obtèrent pour lui un grand nombre de gens comme jamais n'obtèrent d'autres pour aucune autre religion. Cela dura jusqu'au jour où la communauté négligea les ordres d'Allah. Aussi, Allah l'éprouva par des malheurs comme les divisions et les divergences, jusqu'à ce qu'elle se retrouva dans la situation actuelle. Mais malgré cela, cette communauté et cette religion possèdent comme miséricorde d'Allah et compassion de sa part ce qui ne peut être imaginé ou pensé. Pour ce qui est de la deuxième allusion, c'est que le terme de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé et était devenu imminent. Certes, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut une vie idéale et excellente. Et c'est pour cela qu'il a servi de serment à Allah. Il est vrai que les choses excellentes se terminent toujours par la demande de pardon, comme c'est le cas pour la prière, le pèlerinage et autres. Aussi, Allah a-t-il ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de le louer et de demander son pardon. Dans un cas pareil, pour lui indiquer que le terme de sa vie était proche, afin qu'il se prépare pour sa rencontre et qu'il achève sa vie avec tout ce qu'il y a de meilleur. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent dans ses inclinaisons et ses prosternations « Gloire à toi, ô notre Seigneur Allah, et à toi les louanges, pardonne-moi. Subhanakallahumma rabbi, wa bihamdik, irfirli. »